Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce troisième concert de notre semaine d'ouverture de la saison match 21-22. Dames en Herren, welcome op deze derde avond van onze nieuwe seizoen. Dear viewers from all over, welcome to this last concert of the match season opening week. Madame, Sire, c'est un honneur et un plaisir d'avoir votre présence ce soir à l'occasion de ce concert de clôture de notre semaine de lancement de notre nouvelle saison match. Nous sommes heureux d'avoir poursuivi pendant ces derniers mois notre activité auprès de ces jeunes talents et d'avoir maintenu vivant et actif ce lieu d'expression musicale afin de leur permettre de poursuivre leur formation. Masterclass en ligne ou à la chapelle, projet de musique de chambre et répétition régulière, enregistrement dans ce studio, ou en Belgique ou à l'étranger, ainsi que de nombreux concerts digitaux, plus de 40 en un an, avec des dizaines et des dizaines de milliers de spectateurs. Un festival online, un concert de gala digital, et puis un festival de juin, enfin outdoor, la chapelle musicale est restée une ruche active et créative. Les résultats visibles ont été au rendez-vous, dont bien entendu les deux premières places historiques de Jonathan Fournel et Sergei Redkin au concours Reine Elisabeth au mois de mai dernier. La métamorphose de l'institution a été accélérée durant cette période douloureuse. Elle nous amène aujourd'hui à nous concentrer plus que jamais sur le plan du contenu, sur notre core business, les talents d'aujourd'hui et de demain et leur accompagnement dans la vie musicale au plus haut niveau. Nous nous sommes concentrés aussi sur le contenant, à savoir le nouveau projet de développement pavillonnaire annoncé en juin 2019. Le projet est prêt et il est actuellement dans une phase patrimoniale. Vandaag zijn we klaar en optimistisch voor het komende jaar. Onze jonge artiesten komen elke dag binnen. De activiteit wordt face-to-face ervat. L'engagement de nos maîtres est évidemment un atout majeur dans le projet de la chapelle. Tous se sont adaptés depuis mars 2020 pour être aux côtés de la chapelle et des jeunes musiciens qui la fréquentent et je me réjouis que certains d'entre eux soient avec nous ce soir. Les jeunes musiciens ont quant à eux vécu une période très particulière, émaillée de doutes, d'isolement et de remise en question quelquefois. Nous avons tenté de les accompagner dans leur formation, de les maintenir en contact avec la vie musicale sous cloche et devenue digitale. Notre saison est dès lors très concentrée sur notre mission principale. Les jeunes artistes en résidence et leurs maîtres et la plupart des concerts qui sont proposés sont reliés d'une manière ou d'une autre à ce compagnonnage, marque de fabrique de la chapelle depuis sa création. Le concert de ce soir en est d'ailleurs un exemple avec ce partage de la scène en deuxième partie de soirée. Concrètement, comment a été pensée la programmation de cette saison match? We kunnen natuurlijk de bekende namen noemen die aanwezig zullen zijn. Het BLCA Quartet, Renaud Capuçon, Stéphane Degout of André Korobeinikov, om er maar een paar te noemen. Evenals onze meester in residentie die tijdens het seizoen publieke masterclass zullen geven. Je vous invite donc à venir assister vous-même aux différents types de programmes proposés. 12 masterclass publiques, réparties tout au long de la saison, c'est le cœur de l'activité. Les concerts artistes diploma, une carte blanche offerte à un jeune artiste ou artiste associé, il y en aura 7 cette saison, le 1er et le 13 octobre prochain, avec Mel Vioc, Jude et la Camerata Nordica. Une nouveauté dans la saison, tous les jeudis à midi, les Surprise, dont l'objectif est de donner l'opportunité à nos jeunes artistes d'aborder un programme de concours, un programme de tournée ou de production à venir. Les concerts Prestige, une vingtaine de soirées exceptionnelles, dont le concert de ce soir, les concerts de Nouvel An du 12 au 14 janvier, ou encore le concert de gala à Beaux-Arts le 14 mars, le concert prélude à Dean Jones le 27 avril, consacré cette année à la préparation du concours Reine Elisabeth de Loncel. Ou encore le Sabbat Mater de Dvorak à l'église de la Cambre, 25 mars 2002. Il faut ajouter toutes ces séries, bien sûr, les concerts guests, les laboratories, les discoveries ou encore les marathons de fin d'année de chaque section. Et pour terminer,
Nous aurons bien sûr nos deux festivals qui ponctuent nos saisons, le Music Chapel Festival à Flagey du 1er au 5 décembre prochain, Bach to Mendelssohn, je salue Gilles Ledur qui est dans la salle ce soir, et le Much Waterloo Festival du 8 au 12 juin 2022, festival à la chapelle et aux alentours dans cette commune qui nous accueille. Un reich, en intense saison, voor alle Gustigen en Verlangens, ook voor alle Generaties. Je voudrais terminer cette introduction en vous annonçant l'arrivée d'un nouveau maître en résidence à la chapelle, Corina Belcea, et ce à partir de la saison prochaine en septembre 2022. Après sa formation de base en Roumanie, repérée par Yehudi Menuhin, Corina Belcea intègre la Yehudi Menuhin School puis le Royal College of Music à Londres. C'est là qu'elle formera le Belcea Quartet en 1994. Corina est bien connue des grandes salles de concert et festivals à l'international. Elle est aussi déjà maître invitée à la chapelle depuis 2 saisons. Elle reprendra donc le flambeau d'Artemis après 17 ans d'activité pédagogique du Quatuor à la chapelle. Artemis, que nous remercions pour leur engagement tout au long de ces années. C'est donc un grand bonheur d'accueillir ce soir Corina Belcea et son quatuor pour ce dernier concert d'ouverture avec en première partie La jeune fille et la mort de Schubert et en deuxième partie avec une artiste associée, Victoria Vassilenko, dans le quintet à clavier de Schumann. Merci de votre présence et très belle soirée à toutes et à tous. Hartelijk dank en fijne avond. Have a nice concert.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.